Hey! On se retrouve pour un nouvel épisode de Civilization 6 avec l'Empire Cimmerien. Peut-être que je tourne à la suite de l'épisode précédent. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a la suite. Il y a la continuité de la musique. Et oui. D'ailleurs, elle est bien sympa cette musique-là. Alors, on en était où? On en était qu'on venait de prendre la capitale du Congo. Et qu'il fallait qu'on le termine. Donc en gros, qu'on rase ces deux petites villes. Et putain, j'avais oublié qu'il restait une ville là-bas. Tu m'as pris pour un pigeon, toi. Ok. Ça reste raisonnable. Donc là, en théorie, si je me suis pas fait baiser. Ok, j'essaye de sauver la casse. C'est-à-dire que je limite comme je peux les activités. On va essayer de choper un petit peu partout des trucs. Ouais, mais j'ai plus rien en double. Putain, ouais. Ouais, non, mais c'est bon, tu veux pas non plus que je te vende mes villes aussi. Oh, c'est un truc que j'ai jamais compris, c'est le commerce dans ce jeu de merde en fait. Oh, non, c'est un délire en fait, l'intelligence artificielle de ce jeu, quoi. C'est-à-dire que le mec, s'il veut pas te commercer, mais il te commercera jamais. Mais vraiment jamais. Ah, lui par contre, il est assez. Ah, ok, donc lui en fait, il veut que je le paye. La paix, ça dure combien de temps? Soixante-dix par tour! C'est vrai que pour le coup, si tu me passes ta dernière ville, c'est compliqué que tu joues, tu vois. Bon, ça, c'est pareil, c'est de gratter, mais. Là, je me tâte. Parce qu'en gros. Ah, mais non, il me passe les villes, j'en veux pas de ta ville. Oh, mais t'en foutre. Moi, je rase. Je rase, je rase. Ah non, je veux pas de tes trucs là, moi. C'est cancérigène. Je touche pas à ça. Du coup, les troupes ici, on va peut-être faire un petit détour pour passer par là avant. Plutôt craser ça. Parce qu'il faut vraiment que j'en finisse avec lui. En vrai. En vrai, je suis pas sorti de la gare en fait là. Et l'usure commence à se faire ressentir. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ici, niveau usure. Putain. On est à zéro, y a que cette ville. Pourquoi y a que Stockholm qui relie en usure? Parce qu'elle était liée à celle-là? Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être parce qu'elle était proche des villes qui étaient en guerre ici aussi. Mais... Ah bah, cette de usure, ça commence à faire beaucoup quand même. Balancer, mais bon, on répare le moulin. Hein. Écoutez, alors on va descendre tout simplement. Combien de portées? T'as 3 de portées. Bah écoute, tu vas te mettre là. C'est quoi ça? C'est une colline? C'est une colline. C'est quoi ça? C'est une colline? C'est une prairie. Ah, je peux déjà taper? On va déjà taper. Si on peut taper, on tape. Hein. On va pas se priver. Alors, ça va là, ça va là, ça va là, et ça régène. Si je l'amène là-bas, il va se repéter, ça sert à rien. En fait, on me l'a dit, ça sert juste à régène dans les villes, comprends quoi. Il fait rien d'autre. Hein. Du coup, on fait quoi? On descend sur le Congo? On peut descendre sur le Congo. Après, il y a un petit intrus là, dis donc. Eh, t'as cru que je t'ai pas eu, toi? Je peux pas attaquer parce qu'il ne peut pas attaquer au même tour qu'il y joue. Il y a de la merde. Par contre, toi, il peut t'attaquer. Si j'ai par là, ça prend longtemps, pour. Faut que je le mette sur une autre. Oh, ça prend autant de temps. Non, mais écoutez, on va taper ça. On va taper ce qu'il y a à côté. On va commencer quand même à raser un petit peu les villes qui sont trop proches. Hein, mine de rien. Bon, lui il a fait sa mine, il est content. En faire de riz. Apprenez de lui. Oh, j'ai mine à faire ici, moi. Oh, j'ai du riz à exploiter ici. Oh, j'ai beaucoup de choses à faire dans cette ville, dis donc. Et pourquoi j'ai un truc d'infanterie qui traîne? Ah, mais parce que j'étais en guerre avec le russe, non? Non, le russe m'avait déclaré la guerre, je crois, à un moment. Et après, il m'avait plus déclaré la guerre. Mais j'ai quand même laissé une troupe au cas où il me déclarait la guerre. Bon, même si c'était peut-être pas un truc d'infanterie qui aime tout me protéger, mais.
C'est parfait vivant. Ouais! L'Italien me dénonce. Enfin, c'est le Robin plutôt. Le Robin. Ah! Il n'y a pas de nourriture là. En même temps, je suis occupé. La ville est occupée, donc oui, j'ai pas de nourriture. Hop! École militaire? Ou musée archéologique? L'archéologie, c'est bien. En plus, je suis sûr qu'il va y avoir des sites de fouilles là-dedans. 100%. Après, la prod fait que je vais faire mes autres trucs plus rapidement. C'est toujours pareil. Toujours faire les trucs de prod en premier. Bon, même si là, 3 de prod, je pense pas que ça va influencer grand-chose. Mais... La ville sera déjà morte en fait avant que je puisse tirer avec cette artillerie là. La déception des mecs. Hein. J'ai que deux portées d'attaque avec ça, on est d'accord? Ouais. Regardez si je suis triste. Ah ok. Bon bah lui vient suicider, écoutez. L'anti-char contre la ville, je pense pas qu'il va faire long feu. Enfin je pense qu'il va se faire défoncer. Même. Par contre, faut que je ramène l'artillerie. L'artillerie, faut que je l'amène à portée. Après, j'ai pas encore l'upgrade pour pouvoir tirer dans le même tour que je me déplace. Donc ça, c'est chiant. Bon, du coup, pour l'instant, je peux pas tirer avec. Mais prochain tour, je tape avec l'artillerie. Après, lui, il a moins de défense, il n'a que 60 comparé à l'autre ville. Ça reste quand même beaucoup. C'est-à-dire que je pense que pour péter le reste de la ville, il va me falloir une deuxième artillerie. C'est même sûr en fait. C'est même pas, je pense, c'est sûr. Enfin, une deuxième artillerie parce que. Ouais, c'est quoi qu'elles ont pas tant de défense que ça. Hein. Bon, ça c'est la capitale. Mais les restes n'ont pas tant de défense que ça. Après, j'ai pas d'attaque à distance, c'est-à-dire qu'en fait, si vraiment je veux taper, je suis obligé de taper avec mes trucs au corps à corps d'infanterie et de machin. Ça reste chiant. Ça reste compliqué. Unité en attente d'ordre, comment ça? Ah oui, ça fait. Ouais, 4 de nourriture, en sachant que j'ai pas d'habitation. Ouais! Super cette deal, gros plan. Ah ça picote. Oh ça picote. Il picote plus qu'ici. Après ici il a perdu des PV, pour ça qu'il picote pas. Ça finit. Est-ce que ça passe ce tour? Est-ce que je peux taper le tour que j'attaque, que je me déplace? Oui. Bon, c'est le canon de campagne, après on s'en fout. Ah, mais je suis bête, j'ai l'artillerie qui peut taper. Ça va te prendre la tête. On tape avec ça, on tape avec ça. Et on attaque avec ça, et on a la ville! Et on se barre au-dessus! Oui, oui! Un jour je désactiverai les agents. Ouais! Rasé. On en est où d'usure? Moins 2, toujours. Peut-être que ça peut pas descendre en dessous. Et du coup. Du coup, je fais pas de dégâts. Du coup, c'est contraignant. Du coup, je fais vraiment pas de dégâts. Du coup, c'est très contraignant. Et du coup, si jamais j'avance là, je me fais défoncer par ça, donc on va reculer ici. Alors, on en parle de sa case de 4 de nourriture et 4 de prod là ou. Oh, c'est quoi ces cases là? Oh. Hop, on va aller faire ça. Et si on va se heal. De toute façon, je peux pas me déplacer. Il va falloir que je bouge l'artillerie. Là. Celle-ci ici. C'est une colline ça? C'est encore un mongol qui fait des fermes sur des collines quoi. Qu'a fait le peuple? Que fait le peuple? Bon, c'est l'intelligence artificielle encore une fois. Ah, mais j'ai une infanterie ici! Mais après, c'est l'infanterie, ça va pas taper sur la ville. Chien va point aider. Oups.
C'est mystique. Ah putain. Il est où mon chrono? Non, j'avais mon chrono, il est là. Du coup, je me posais une question. Ah mais pourquoi il y a une artillerie du Congo, un régiment qui arrive par le nord? Le mec la sort d'où? Il la sort de sa VDC? Après, je sais pas ce qu'il va faire, hein. Il va se faire taper de toute façon par les remparts de la ville, mais à moins qu'il puisse taper à 3 cases. Parce qu'il reste chiant. Oh! Non! Really? Trop bien! Il y a un village tribal. Non, mais ça, on a eu connu. Mais attendez, il est où? Ouais, donc c'est ça. Donc en fait, il y a une autre île que le gros continent. Donc comme ça, il peut y avoir des petites îles à chaque fois, ce que je disais la dernière fois. Ah, il veut me céder ça. En gros, le mec veut se suicider. Mais tu fais pas la paix du coup, vu que t'as plus de ville. Gros mongolo. Wait. Attendez un truc. Sur quel continent? Zamba machin, c'est pas la ville que je viens de prendre. Ah si, donc en gros le mec veut me céder Zamba, Mumbi, et il lui reste encore une ville. C'est ça, donc en fait quoi qu'il arrive, de toute façon la ville qui lui reste, dite capitale, dite nouvelle capitale, celle-ci. J'ai quoi en récompense? Je viens d'avoir un truc en récompense, j'ai pas vu ce que c'était. Je crois que je viens d'avoir un truc qui s'est mis dans... J'ai eu un chef-d'oeuvre. Mais attends, la question que je me pose, est-ce que cette ville-là sera toujours occupée? Ça, c'est la ville, enfin, c'est la capitale, c'est Mzamba Congo. C'est la capitale du Congo. C'est pas Kinshasa. Quoique. Non, mais le Congo va pas spawn ici, de toute façon, au début de la game. Le Congo va spawn ici. On est d'accord. C'était là sa capitale, le Congo, c'était là qu'on l'avait vu. Il a jamais été question que la capitale. Bah non, de toute façon, il peut pas y avoir deux civilisations qui spawnent côte à côte, c'est pas possible. J'ai eu un doute sur le coup. Donc ok, donc en gros non c'est pas possible. Pourquoi y a un putain de barbare? Et ça je peux pas taper. Donc en gros il va falloir que je me décale par là pour taper avec ça. Il va falloir que je fasse de même pour ça. Et ça je sais pas, à la limite je le montrerai là. Ça va être très compliqué à organiser les troupes autour là. Ça me sert à rien le truc, mais. Alors, toi petite infanterie, où est-ce que tu vas aller? Tu vas aller par là. L'artillerie, on en retire. Hein. Ça, on tire. Le problème, c'est que l'artillerie va prendre très cher en fait à force. Avec une seule artillerie, comme j'ai dit, ça va être très très long. Donc après l'école militaire, je vais faire une autre artillerie pour aider pour le reste. Parce que là, l'anti-char, si je tape, ça perd un petit peu de PV. Mais j'en perds aussi. Ouais, écoutez, c'était quoi, on va taper avec, hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir. C'est clairement pas le choix, parce que là, du coup, prochain tour. Ça fait perdre des PV quand même. Ça fait perdre beaucoup de santé, surtout en fait, plus que de la défense. Pour le coup. On a une autre ville en problème d'habitation. Oh, on a Stockholm. Surtout un problème d'activité là, par contre. Ça va être compliqué! Et le problème, c'est que si jamais mon échange se termine avec le Gugus, je suis fini. Je suis clairement fini. Je suis clairement fini parce que. Je vais être à moins 4 d'activité et je sais absolument pas ce qui se passe après un certain seuil d'activité. Ça sera emmerdant quand même. Veuillez patienter! Ah bah je veux bien, il y a quand même beaucoup de troupes hein. D'ailleurs j'ai fait une partie avec mon frère. On a mis une map immense, donc territoire immense, donc je crois que c'était encore plus grand que ça. Et oh nickel un camp barbare. Attends mais attends, je suis conseillé, je suis avec un éclairant. Et en fait, je pouvais pas mettre plus que... Enfin en gros on était nous deux en équipe. Et je pouvais pas mettre plus que 6 autres civilisations avec nous, je pouvais pas en mettre plus. C'est-à-dire que si j'en mettais plus, ça me mettait impossible, enfin pas compatible. Et du coup c'était chiant. Parce qu'au final du coup on s'est retrouvé sur une grande map. On s'est retrouvé sur la map continent, donc sur un continent comme ça.
Et on était 5 dessus, donc en gros il restait que 3 Gugus à côté. Et c'est chiant quoi, enfin il n'y a pas grand monde, en plus on est tous sur le même continent. Donc c'est pas forcément ouf comme truc, et je sais pas de quoi ça vient. Est-ce que ça vient du fait qu'on a mis 15 cités-états, mais le truc c'est que... Là aussi il y a 15 cités-états en théorie sur la map. Donc bon, et on est plus. Après peut-être parce qu'on n'est pas en alliance, je sais pas trop. Je ne sais point. Bon, on a dit ici du coup on voulait faire une artillerie. Ici on voulait tapoter. Et je commence à prendre la quiquette. Hein. Après là normalement il perd sa défense. Il perd sa défense. Ok c'est bon, on finit la ville. Il va vraiment falloir que j'aille ma totem. Let's go! J'ai l'infanterie qui va level up en plus, donc ça c'est cool. Unité sans recevoir des ordres. Hop, on annexe la ville. On la rase. Le quartier dégage. Le campement dégage. Unité en attente d'ordre. Est-ce qu'on va tabasser ça? On va tabasser ça. Écoutez. Bon, ici je peux attaquer. Donc ça c'est bon. Ici, je pourrais attaquer. Faudra que je passe ça. 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 Ça va être long. En fait, même si je peux attaquer là. Ça va falloir que je déplace attaquer. Ça va falloir que je déplace. Ça va falloir que je déplace. En fait, faut que je laisse à 100 quoi qu'il arrive mon infanterie passer. Au pire, à la limite, là, les canons de campagne, ça va à rien. Et quand je dis à rien, ça va à rien. Mes deux de toute façon, mes deux artilleries font le taf. Elles toutes seules. Donc bon. Est-ce que j'ai un port, moi? Toujours pas de port à Stockholm. Je vais acheter une cage, je vais faire un sport à Stockholm. Parce que là, c'est pas qu'elle destroyait le porte-avions qui arrive, les mecs, mais. Ah, il me faudra un. Putain. J'ai pas le cas. Oh, c'est pour ça que je voulais prendre la ville ici, c'était pour le port! Désolé, je vais devoir prendre Lisbonne. Hein. Je vais devoir prendre Lisbonne, la prendre, c'est une très bonne ville en plus. Et j'ai pas le choix. Je vais devoir prendre ma propre cité-état. C'est complètement con, mais je perds quoi en prenant Lisbonne? Ouais, je m'en bats les couilles de ça. Je perds de l'encens et les chevaux. Je vais perdre un d'activité. Il faudra que je le fasse après la guerre. Après le problème de guerre, il faudra que je le fasse. Parce que là, j'ai pas de port. Ça va être une très bonne ville très productive. Il faut, en fait, il faut une grosse ville productive pour pouvoir chier des unités après pour des unités maritimes. Parce que celle-ci, c'est pas une unité. Enfin, c'est pas une ville comme ça qui va faire très rapidement des villes. Enfin, des unités. Donc, ouais, sur le coup, c'est pour ça en fait. Quand tu joues pas à un jeu et que tu reviens 10 jours plus tard, tu sais plus trop où t'en étais, les plans que t'avais en fait, ce que tu voulais faire. Et là, sur le coup, ça m'a pesé. J'avais complètement zappé que je voulais garder la ville. Pour ça, je me disais à un moment, il y avait une ville que je voulais garder dans ma tête. Et j'étais en mode, mais pourquoi est-ce que je me suis dit que je garderais ça en fait? Enfin, j'ai pas d'intérêt à la garder. Et au final, si, j'ai un intérêt à la garder tout simplement parce que c'est une bonne ville. Enfin, parce que c'est une bonne ville, mais parce que je pouvais y faire un port, c'était la seule ville maritime qui était dans le coin et par là où je traînais et par là où. Enfin, je voulais prendre quoi. Ouais, il va falloir que je prenne Lisbonne. Mais du coup, si je prends Lisbonne, je pourrais plus commercer avec, putain. Oh, ça va me faire perdre encore des trucs de conversion. Ça va me faire perdre pas mal de thunes hein, de prendre Lisbonne. Hein. Clairement, c'est pas en bon deal. Ah, on m'arrive, mon éclaireur. Paix à ton âme! Air atomique. Ah. Nos soldats ont appris à réunir deux unités militaires dans un même régiment. Ah ouais, t'inquiète. Tu viens de voir d'ailleurs, je peux faire une artie à un régiment. Il ça fait boum, boum, boum. Ah,
tour avant d'apprendre. 1, 2, 3. Fascinant, n'est-ce pas? Oh, White! Je suis con, attends, je peux prendre la con blindée. Bah, les couilles, il a retiré! Je vais mettre ça sous cette lance, sinon c'est. Le mec, il pète tous les trucs. Ah, il meurt pas, hein! Il est coriace, le salopard! Il est coriace. Trop coriace. Bon, bah écoutez, on pourra faire l'aviation. Pas trop tôt, mine de rien. Niveau uranium. Oh putain, on est passé à 6 en production dans les trucs là. What? On est passé à 6. Attends, on a un truc. Uranium. Pas de l'uranium hein. Son deck. Putain, il y a de l'uranium chez le russe. Ah, et c'est même pas dans une case exploitable du truc en plus. Hein. Après, j'ai de l'uranium. Merci, Utaza. A tout ça, plutôt. Merci, Malchi. Mais j'ai pas une ville d'uranium quand même, c'est fou. Pas dans Lisbonne. Pas dans Lisbonne. Elle sait, tu es sûr, il a de l'uranium chez lui. Tu es sûr, lui, c'est des grosses magouilles. Hein. Pas me la faire à l'envers. Hein. C'est là que c'est le Congolais qui est là au final. Choisir un dogme. Oh putain, les quartiers résidentiels. Oh, mais j'en ai plus besoin. Je suis content, mais j'en ai plus besoin. En garnison là-bas, ça vite en garnison. Il faut l'activer. Putain, c'est ouf. Moins 8 malade. Tu y es malade. Et comme j'ai dit, est-ce que si jamais je pète le site là, enfin, pas si je pète le site, au pire, c'est tu déclares la façon le site là, j'ai juste deux villes à raser pour être tranquille entre guillemets, ou alors je laisse tranquille le temps de perdre le truc. Ouais, faut que je descende péter le Congo là. On va péter le Congo au premier. On va se focus sur le Congo, les mecs. Et une fois qu'on a pété le Congo, on est safe. Enfin, on est pas safe, mais on est tranquille. C'est-à-dire que le Congo, une fois qu'on l'a rasé, on est plus emmerdé par ce genre de gars là. Je n'aime pas du tout ce qui veut mijoter. Qui pensera à nos amis de ça? Ah. Après, ça sent bien la politique actuelle de la France là. Il va me baiser un jour, parce qu'un jour je vais mettre oui en fait, en croyant que c'est la dernière ville. C'est pas la dernière ville, c'est celle-là qui va me céder. Parce que celle-là est toujours occupée en fait, hein. Celle-là j'en tiens toujours rien. Enfin, pas que j'entends rien. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas croître. Ce qui est chiant. Ah, il est pas refusé. Eh oui, j'ai refusé, c'est con hein. Au revoir. Voyez patientei. Chichi est occupé. Rawr. Allez, continuez à me dénoncer, vous êtes 10, vous êtes tous me dénoncer, ça va être un plaisir. Ça va faire la moitié de la vidéo. Le Romain, non? Ah non, le Romain m'a dénoncé il y a deux tours, quand même. Peut-être pas déconner. Ah, ça me fait chier, putain, de perdre une cité-état. C'est pour le coup, je blame les mecs qui pètent la cité-état. En plus, après, il faut que je fasse un port, quoi. Ça va être long. Alors, je prends cette ville-là. Celle-là. Putain, mais il y a de l'uranium, c'est le site. C'est pareil, le mec il a un port. Mais elle est où la prod pour faire les villes? Ah, pour faire les trucs. Tu es trop collé de cette ville là, de toute façon. Mais il n'y a pas de prod non plus. Alors que là, c'est bonne, enfin, mettez-moi ça quoi. C'est des mines sur 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 encore des mines, des mines, des mines, des mines, des mines, des mines, des mines. Plus des mines. Toujours plus de mines. Hop. 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 Alors, toi tu vas là.
Voilà. Bon, tu vois là, tu te heals un petit coup. Oh, tu peux même encore avancer un petit peu. C'est bon? Pas de ville? Ah si. What? C'est bon? Croyance là. Oh c'est bon. Ratatatatata. Efficace le blindé. Je suis content. Bien efficace sa maman. Comme on les aime. Toi tu dégages. C'est bien parce qu'en fait, j'ai pas pris la ville mais je peux attaquer avec. C'est fat quand même. C'est-à-dire que là en gros j'attaque avec. Et ensuite... on rase! Moi ça me plaît ça. Je crois que j'avais laissé des trucs de Twitch depuis tout à l'heure en fait. Parce qu'en gros j'avais fait des tests. J'avais fait des tests en gros d'overlay pour Twitch, pour stream. Enfin pas pour Twitch, pour YouTube, pour stream du Civilization. Et j'avais mis dernier donateur, machin truc, tout ça, dernier abonné et tout. Et j'ai cru que j'avais laissé l'overlay comme un con. Depuis le début. Mais non, ça va, je l'ai caché. La question c'est est-ce que Sartiria là va suffire? Parce que là il me reste 4 tours avant de finir la tirer là. Et avant de ramener une troupe là-haut, j'ai le tank. Concrètement, si y a l'idée des frères là qui arrivent, ils me saoulaient. Après il y a des routes. Code d'activité, ça se passe. Mais je sais pas s'il y a vraiment une limite d'activité. Parce qu'au final, moins 4, je suis jamais descendu en dessous. Hein. Moi je suis jamais arrivé à moins 4. Non, je pense que c'est juste que la ville est beaucoup moins productive. Quoi. Parce que là, en fait, la centrale nucléaire, en théorie, enfin l'électrique, je la fais beaucoup plus rapidement. Quoi. En théorie. Ah, c'est la théorie. C'est bon. J'ai peur d'avoir fait une connerie en déplaçant un truc. Est-ce que j'en fais un régiment? Parce qu'un régiment n'est pas plus puissant que deux unités. C'est toujours mieux d'avoir deux unités en fait. C'est juste que ça prend deux cases quoi du coup. Parce qu'un régiment n'aura pas 160 de puissance de bombardement les mecs. Hein. Il aura peut-être 120. On met ici tout. Les mecs, je fais le test avec le canon de campagne. Okay, c'est de la grosse merde. Et alors, de la grosse merde, je suis passé de 60 à 70. Alors, je pense que c'est pas. Je pense que ça marche pas comme ça la puissance. C'est-à-dire, c'est pas le nombre de dégâts que tu vas retirer. Je pense que passer de 60 à 70, c'est comme si j'étais passé d'un canon de campagne à l'artillerie, tu vois. Enfin, pas à l'artillerie, mais à la mitrailleuse. C'est un peu le même délire. Ça, tu passes une aire au-dessus. Mais est-ce que c'est quand même plus worse d'avoir un régiment que deux unités distinctes, full upgrade. Après là du coup le régiment est full upgrade aussi mais je sais pas, je me date. Je pense que c'est quand même plus voir. Je suis presque sûr que c'est plus pratique. C'est-à-dire qu'en gros si jamais t'as deux régiments, ça te prend que deux cases au lieu de quatre cases d'unités. C'est sûr. Mais bon. Je reste sceptique. J'ai encore une mine à faire dans cette ville là. J'ai encore des scieries à faire dans cette ville là. J'ai encore beaucoup de choses à faire dans cette ville là. Ah, l'aluminium! Ya ya ya! Oh! T'as entendu toi? Un ingénieur illustre. Ouais! C'est une plaine ça? C'est une plaine. Bijou là! Putain, mais ça se fait combien de temps ce truc là? C'est infâme! Vous voyez, je fais 0 dégâts quand même au cas de campagne en face là. Je sais pas. Je me tâte. Comment j'avance là? Ouais. 7 tours. En blindé. 2 tours. Après le blindé, faut que je le heal. On va le heal un petit peu. On va le heal ou bien on termine cette unité là?
Parce qu'on est avant le level up. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'est pareil en fait. Si jamais je pète Lisbonne, faut que je reste à côté de Lisbonne. Après, une artillerie suffira pour Lisbonne. Là, concrètement, il y a 46 de trucs. Je mets un fantassin et une artillerie, le canon de campagne. On est good. Alors, toi, hop. Ouais, fusée. Tout ça pour ça. C'est triste. Pour l'instant, toi, tu vas dormir. Toi aussi. Peut-être un peu lent pour dormir, toi. Parce que ouais, les deux infanteries, si j'ai de la mèche, je les jette sur la ville, c'est un petit peu du suicide. C'est-à-dire que ça va rien faire. Ça va rien faire, ils vont perdre mid life. Alors. Pas censé gagner nos activités là. J'ai une unité retran. Oh putain, mais. Tu forces, hein. C'est faux l'angle des tables. Ah. Ah oui. Ah oui, t'es motivé le russe. C'est-à-dire qu'en gros là, tu fais un world tour le russe et tu prends toutes les villes, c'est ça? Ouais, je suis un peu de la motivation là. Lisbonne c'est quand même vraiment une bonne ville. Hein. En plus c'est de dire Lisbonne c'est que là, il y a déjà 8 citoyens. C'est-à-dire que ça va prendre ça comme case, ça comme case, ça comme case. Pourquoi il y a plus de citoyens que de cases déjà ce que je veux dire? Il n'y a pas de culture dans la ville. Ouais, comment ça fait ça? Tout dit, Ah, mais c'est barré du coup. Reviens là, toi. On me la fait pas, moi. Bon, ça va l'artillerie, 30 ce heal. Notre infanterie, quand un heal. Alors, le canon de campagne, avant que je l'amène là-bas, il faut combien de temps? Oh, 6 tours. Bon, on va l'amener, ça a toujours tapé. C'est pareil, je peux taper avec, mais. Enfin, c'est pour faire genre ce qu'on y fait, quand même. Waouh! Ça fait quand même beaucoup 71 ça. Ça fait quand même beaucoup. Ah, et puis pour le coup, je pense pas que ce soit les mêmes dégâts que je prends en retour. Non, c'est pas les mêmes dégâts que je prends en retour. Ouais, ouais, ouais. J'ai des caca. Dans 17 habitants dans la capitale russe. Pas russe, site. What the fuck? Quoi cette connerie? Personnage illustre, marchand. Oh! Ça, je prends. Je vais faire une production. Ouais. Oh. Non, ouais, je sais pas quoi faire. Laboratoire de recherche, tout simplement. Et ici, je peux faire un aérodrome. Parce que lui, il n'y a pas de port pour le coup. Et on va faire un aérodrome. Ah bon, je fasse la centrale électrique avant. On va faire l'aérodrome après la centrale électrique. Il me restera toujours 3 villes, de toute façon, pour lesquelles je serai suzeraine. Attends, Genève, ils sont à combien? Genève, ils sont... Ah, Genève, c'est à 6. Donc là, je peux passer à une ville en plus, et ça va me faire de la culture, de la science encore en plus. Il me reste encore 2 émissaires, de toute façon, et j'en ai bientôt 4. Donc je suis tranquille. Ça, ça descend... Mon artillerie est presque full life. Encore un tour, je la descends. Donc, c'est bon. Celle blindée, c'est bon. Et toi, le marchand, tu viens là, et tu me passes... Tu me baises. Ok. J'étais pas censé avoir une doctrine en plus avec le marchand qui vient d'avoir là. Je viens de faire un truc, je sais pas ce qu'il m'a fait. C'est quoi, c'est les prophètes là qu'on était tous détruits? Octroie 2 unités de. Une entose de luxe manufacture qui confère 4 d'activité. Oh putain. Ouais, après j'ai 18 points. Donc dans tous les cas, j'aurai prochain. Mais dans très longtemps. Mais par contre, quand je l'aurai, ce sera cool. Là pour le coup, ce sera vraiment fat. Prochain savant. Pas mal. Prochain écrivain. Oh, j'ai prochain écrivain, t'en déconnes? Ouais, c'est bien ça, on commence enfin à voir des trucs qui coulent. Je suis content.
Vous avez découvert une nouvelle source de site antique. Et vous voyez, j'avais dit, masse site antique ici. C'était obvious. D'ailleurs, je voulais pas faire un archéologue, moi. Comment faire un archéologue? Pour ça, je suis aveugle. Pas encore le site d'archéologique. Je me disais bien, il y avait un petit problème. J'ai pas les conditions requises. Bon, on va laisser en garnison. Enfin, on va retrancher comme ça pour ce hill. Et on a notre deuxième artillerie qui va mettre 6 tours à revenir. Bon, on a 6 tours, on pète le Congo. Dans 6 tours, on a fini avec. Oh, on a moins de activer. On était à moins 4, on a moins 2. Quoi de dire? On vient de perdre un truc de guerre, on vient de gagner un truc de culture. Enfin, pas de culture de luxe. On va pas tout comprendre. Ouais, écoutez les mecs, je pense qu'on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Petit épisode de 35 minutes au calme, comme à chaque fois. Eureka! Non, y'a un truc inutile, c'est tout. J'étais censé avoir un truc en plus, mais. Y'a pas tout compris. Mais ouais, on va cesser là-dessus. Vite fait balancer un réseau d'égout, parce qu'on a des problèmes d'habitation. On va vite fait retrancher ça. Il, ça. Amener ça ici. Attaquer ça avec ça. Attaquer ça avec ça. Et puis on est good. Écoutez. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo là, c'était cool. N'hésitez pas à lâcher un petit like, partager la vidéo si jamais vous l'avez aimé, mettre un petit commentaire. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.